Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 61e épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avancement dans ce projet 365 jours. Donc comme vous le savez, j'ai décidé de consacrer toute l'année 2011 à la réalisation de mes idées de site web. Donc j'ai eu le temps de créer le site 365-jours.fr, donc ça a été plutôt rapide. Ensuite, j'ai créé postal-code.fr. Ça m'a pris un petit peu plus de temps, ça a pris environ un mois. J'ai créé le site normal avec une navigation avec Ajax, ça a pris un petit peu de temps. La récupération des données de Wikipédia, ça aussi ça a pris du temps. J'ai créé le site mobile, ça a été un peu plus rapide, mais il y avait pas mal de tests à faire qui n'étaient pas faciles. Et ensuite, je vous ai présenté le projet Datoudou. Et entre temps, je suis parti en Hongrie. Et depuis que je suis revenu de Hongrie, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, ça n'a pas tellement avancé ce projet Datoudou. Alors, c'est pas du tout parce que j'ai décidé de le laisser tomber. C'est plutôt parce que je suis dans une période où j'ai très peu de motivation. C'est très difficile pour moi de me retourner, de retourner au travail, de recommencer à développer. Alors, je sais pas pourquoi, c'est depuis que je suis revenu de Hongrie, j'ai laissé un petit peu tomber ma motivation. Alors, j'espère que ça va revenir bientôt, puis j'espère que en lisant vos commentaires, je vais la retrouver rapidement. J'ai aussi deux autres projets sur lesquels je bosse, donc c'est pas des projets de clients, c'est plutôt des projets d'amis pour lesquels je développe des sites internet. Mais là aussi ça avance pas très rapidement ou moins que je le voudrais. Alors tout ça fait que le projet Datoudou n'avance pas beaucoup et qu'en parallèle il faut que je continue à créer mes vidéos et puis en publier une par jour, parce que ça c'est quand même le premier objectif du site et de mon projet de cette année. Je manque un petit peu d'idées. Alors des fois je suis à court d'idées, je sais pas trop quoi vous montrer. J'ai des vidéos qui sont en suspens, il y a la création de sites mobiles. Je voudrais aussi vous présenter comment se créer un numéro en 01, 02, enfin tous les numéros français très simplement sur internet en utilisant SIP. J'ai aussi d'autres tutos comme ça qui prennent un petit peu plus de temps, donc qu'il faut que là je prépare. Mais tout ça, ça prend du temps. Alors, ce que j'aimerais d'abord, c'est retrouver la motivation, terminer les deux projets sur lesquels je bosse en ce moment. Ensuite, commencer réellement le projet Datoudou. Arrêter de spécifier en long et en large et commencer à réaliser quelque chose dans lequel faire ce quelque chose que je pourrais ensuite détailler en vidéo. Et ensuite vraiment faire les vidéos, faire les tutoriaux que j'ai déjà en suspens pour un petit peu m'aérer l'esprit entre sessions de développement intensif. Alors pour cela il faut vraiment que je retrouve la motivation. Alors ça veut pas dire que le projet 365 jours s'arrête, pas du tout. J'ai décidé de consacrer l'année entière au développement de mes idées et je le ferai. Ensuite, c'est un petit peu difficile de poster une vidéo par jour. Alors j'ai eu, lors du dernier point d'avancement, un commentaire qui me disait que c'était pas obligatoire que je publie une vidéo par jour, que un rapport d'avancement textuel suffirait, ou bien une vidéo, plutôt 4 ou 5 vidéos par semaine suffirait. Mais je pense que si je commence à faire comme ça, je me connais, ce serait une solution de facilité et puis je publierai finalement de moins en moins de vidéos. Alors même si des fois je suis en retard, j'essaie quand même de combler le retard, de rattraper, de me consacrer des jours à rattraper ce retard. Et donc n'hésitez pas à me soumettre dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez des idées de tutoriaux, vous pensez que ça prendrait pas trop de temps de préparer ces tutoriaux et non plus pas trop de temps à les réaliser,
Ce sont des très bonnes idées pour les tutoriaux, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis ensuite j'aviserai. Et si vous avez des petits messages d'encouragement aussi, je suis preneur. Et également, si vous voulez faire grimper le nombre de fans sur la page Facebook, là aussi j'aimerais bien parce que si j'ai bien compté, la majorité des fans, donc une trentaine, sont devenus fans pendant le premier mois. Et depuis un mois, je stagne entre 30 et 33 actuellement. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est l'engouement du premier mois ou bien si les vidéos ont perdu leur intérêt. En tout cas, je suis preneur de toute suggestion et puis aussi continuer comme ça dans les commentaires parce qu'à chaque fois c'est vraiment encourageant quand je vous lis. Donc je vous dis à demain et puis salut.